Bambala. Patoche, il anime mieux le live que la moitié des streamers de la plateforme. Bah c'est normal, sur cette plateforme, la moitié des streamers, c'est des meufs à poil qui montent leur cul. Nous sommes à Saint-Cloud. Saint-Cloud. Marie est femme au foyer et vit ici avec Eric, un entrepreneur. Un entrepreneur, il mêle un petit peu ma vie, le Eric. Moi aussi, je suis un entrepreneur. Ouais, je sais que je suis en slip dans ma chambre, et alors? Ce soir, elle lui a réservé une surprise pour ses 46 ans. Ah oui, elle veut lui croquer le bems comme un petit panda, là. Oula. Oh, un cadoc. Allez, détonnante. Allez. Tu mens. Attendez, ça commence comme ça, là? Qu'est-ce que c'est, what? Tu sais très bien quel est le plus beau cadeau que tu pourrais me faire. Ouais, je sais. Que je te fous droit en 8. En bas. On n'a pas envie, toi? Une belle petite fille? C'était moi. Et vous avez 58 ans, qu'est-ce que vous allez faire à l'enfant maintenant, vous? Ce qu'Eric ignore, c'est que Marie n'a pas du tout l'intention de tomber enceinte. Mais plutôt de le tromper avec leur jardinier. Elle n'a jamais cessé de prendre la pilule. Ah. Avec son riche époux, elle joue un double jeu. Elle aime le confort qu'il lui apporte, mais elle ne veut pas s'embarrasser d'un enfant. Oh la michto. Chaque mois, elle fait un test de grossesse. Et chaque mois... Négatif. Non mais c'est terrifiant là ce qu'on est en train d'entendre. Non mais là c'est terrifiant. Genre la meuf elle vient le voir en pleurs en mode « Négatif encore une fois chérie. Mais je pense qu'un jour nous l'aurons cet enfant que nous voulons tant. » Alors qu'en fait elle prend la pilule tous les soirs. Et lui il doit être là au lit. Allez-y. Quand il doit les encourager ces spermatozoïdes. Tout ça pour qu'elle prenne la pilule. Ouh là là, ça démarre. J'ai encouragé Marie à aller voir un psychologue. Je pensais que c'était la meilleure solution. Oh bah y'a de quoi. Elle avait peur de devenir mère et qu'elle osait pas se l'avouer. Marie est passée maître dans l'art de mener Eric par le bout du nez. Mais lorsqu'elle se confie à ses amis, le masque tombe. Ah, en plus, tu savais comme je m'ennuie. Ah, oh la pute. Non là, je suis désolé, mais là les mots sont durs, les mots sont crus les amis, mais là... Eric vient d'embaucher un nouveau jardinier. Marie est très impatiente de voir à quoi il ressemble. Enfin, c'est un bûcheron, là, c'est pas un jardinier. Ah bah chérie, je te présente Marc, et bah, qui va s'occuper du jardin. Je vais vous montrer votre terrain. Elle a envie de lui manipuler le bumblebee, hein. Un jeu, si vous voulez bien. Ouais, ça y est, elle l'a en proie. Petit regard vers le cul. La jeune femme trouve Marc très à son goût. Ah bah oui, on voit ça. Elle tient enfin une distraction. Ma grand-mère disait qu'un homme qui aime les plantes ne peut pas être mauvais. Vous me flattez. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue d'acteur porno là? Attendez, on dirait les plombiers dans les films de cul qui viennent changer là. Ah, il y a une fuite, je vais la reboucher là, vous inquiétez pas, avec mon gros gourdin. Qu'est-ce que c'est que cette tenue de jardinier? Aucun jardinier dans le monde ne s'habille comme ça, je vous le dis. Avec... Oh patoche. Non mais là c'est... Non mais bien évidemment, mais ça... Marc, elle devient de plus en plus entreprenant. Mais bah lâche-lui le torse aussi. Tu sens l'herbe coupée? Le jeune homme est troublé. Mais ça, c'est pour draguer quelqu'un, de lui dire qu'il sent l'herbe coupée? Ça n'a jamais excité personne. T'imagines, t'es au lit avec ta meuf et tout, là. Tu sens l'herbe coupée. Mais le petit jeu de séduction est soudain interrompu. Aïe, aïe, aïe. Morgane, mon ex-copine, toujours au bon moment. Oh bah alors, mais genre... Mais quel est le but? Mais qu'est-ce qu'elle s'en fout, l'autre? Elle veut juste croquer le bems. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre que tu aies une petite ex-amie ou deux ou trois ou 26? Ça faisait une semaine qu'on n'était plus ensemble et continuait de me harceler au téléphone 10 fois par jour. Marc ne croit pas si bien dit. Genre, elle est là, elle attend. Morgane le tient sous haute surveillance. Quoi? Et ce matin, elle l'a... Bah, elle est au chômage, surtout. Suivi jusqu'à son lieu de travail. Est-ce que j'ai encore l'âge de porter ça? Oh ouais, non, mais là, elle a envie de se faire foudroyer, mais vraiment, elle veut 8 rounds. Hein. Alors comme ça, c'est une garce comme ça que tu m'as quitté, hein? Ouais, tu vas lui mettre un coup de râteau et rentrer dans le jardin. En y conduisant Morgane de manière musclée, Marc attise encore plus la convoitise de Marie. Ah oui, genre, oh, il tape sa femme, il m'excite énormément. Un homme violent. La jeune femme avait encore quelques scrupules à tromper son mari, mais cette fois, la tentation est trop forte. Ah ouais, non, mais... Elle passe à l'attaque. Non, mais regardez là. Alors, désolé pour tout à l'heure. Je sais comment te pardonner. Excuse-moi, mais... Excuse-moi, je mélange jamais plaisir et travail. Je mélange jamais plaisir et travail. Marie n'accepte pas que Marc la rejette. Ah, elle est elle blessée dans son amour propre. Bam, bam, bam. Oh putain. Et lorsqu'il... Elle veut se taper le jeune jardinier. Pendant ce temps, elle a son mari de 46 ans qui lui fait un striptease dans le salon. Elle avait dit que c'était pas palpitant la vie avec lui là, mais attention hein. En jouant la carte de la déprime, Marie sait bien qu'Eric la laissera tranquille pendant un moment. Quelle manipulatrice.
Non, là, il faut qu'il s'en rende compte, Eric. Hein. Le millepertuis est une plante connue pour ses vertus apaisantes. Elle peut maintenant se concentrer sur l'essentiel, relancer Marc. Oh là là. Elle s'empresse de récupérer son numéro dans le portable d'Eric. Mais c'est pas possible. Le lendemain matin, à la première heure, Marc lui propose de le rejoindre dans une... Oh putain, il va frotter. Les amis, il va pas que ratisser le jardin. Ce n'est pas le beau jardinier qui l'attend. Tu m'as suivi ? Bah non, j'ai pas eu besoin. Le SMS. Tu l'as envoyé. Elle est complètement folle, elle aussi. Le SMS. Et sur l'ancien téléphone de Marc. Et pas de bol, c'est moi qui l'ai gardé. Morgane a... Mais elle est complètement folle, elle. Tendu un piège à Marie. Si tu touches encore à un cheveu de Marc, moi je balance toi, ton tendre et cher époux. T'as compris ? Ouais, j'ai compris. Mais moi j'ai envie de m'excuser. Même moi j'ai plus envie de toucher à Marc alors que je touche pas à Marc. Si t'étais pas ma patronne, ça fait longtemps que j'aurais craqué. Marie a beau avoir en tête la menace de Morgane. C'est tout ce que t'as à me dire. Alors elle a foutu de la petite discussion qu'elle a eue. Hein. Marie a enfin ce qu'elle veut. Mais elle et Marc sont coupés dans leur élan. C'est Eric. Vite, va-t'en, va-t'en. Oh putain. Tu rentres tout. Ouais, j'ai une petite surprise pour toi. Quand il s'agit de faire plaisir à sa femme, Eric ne... Oh le bouffon. Oh le pauvre. Oh mais c'est pour ça que je t'aime tant. Ah bah oui, c'est que pour ça. C'est que pour ça. Il fait des cadeaux somptueux et il a la politesse de s'éclipser pour que Marie... continue de foudroyer le jardinier. ...puisse vite retrouver son jardinier. Il vient de lui offrir la voiture. Il sort de la maison. Ah bah je peux vous dire qu'elle va pas jouer avec n'importe quel levier de vitesse là. Pas celui de la Mini Cooper. Mais comme dans les séries télé, la rivale n'est jamais bien loin. Quoi, l'autre garce ? Je la vois plus. Quoi ? Oh, le mensonge ! Non, ça change rien. Depuis quelques jours, Marie a des nausées. Ah ! Même si elle a toujours pris ses précautions. Oh putain, elle va vraiment tomber enceinte. Elle va vraiment tomber enceinte, même avec la pilule. Oh non. Oh putain ! Lorsque le... Ah, vous savez ce que c'est ? C'est le traitement qu'il lui a donné, ça... Des fois, il faut faire très attention quand vous prenez des trucs à base de plantes ou quoi que ce soit, parce que ça peut altérer le fonctionnement de certains médicaments que vous prenez. Et là, c'est sûr, c'est ça que ça lui a fait. Le truc à base de plantes pour se détendre, ça a altéré la pilule. Les nombreuses prises de millepertuis ont annulé les effets de sa pilule. Tu l'avais pas vu venir, c'est la vision du coach. Streamer, coach, docteur, trouvez-moi quelque chose que je ne sais pas faire. Il y a un problème ? Je suis enceinte de toi, Marc. Je suis enceinte et je dois avorter. Marc ne s'attendait vraiment pas à ça, et il n'est pas le seul à être... elle est derrière le mur, mais qui sait ? Mais elle, faut l'enfermer, elle. Elle, faut un hôpital psychiatrique, et vite. Elle doit absolument mettre un terme à tout ça, et décide... de tout révéler à Eric. Oh putain, la sauce qui arrive. Morgane ne perd pas de temps pour lui envoyer un mail. Morgane, elle est déterminée quand même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ta femme est enceinte et tu n'es pas le père. Oh la gueule du mec ! Marie se rabat sur sa technique habituelle, putain. Jouer les victimes. Et c'est à deux doigts de marcher. Il y a écrit capture Windows Live en haut. Mais non, c'est... attends, mais ça j'avais pas vu. Moi c'est juste que ça me paraissait faux. Ta technique. Non, c'est vrai. Elle. Mail message. Galerie de photos Windows. Ils ont pris une capture d'écran d'une boîte mail et ils ont ajouté des trucs par-dessus. Non, vraiment, c'est trop le budget négatif de cette émission. Cette fois, Eric a un doute. Ah. Si Marie était effectivement enceinte, elle aurait fait un test de... Tu voulais dire que cette galerie photo Windows Live lui a mis un doute ? Grossesse. En fouillant dans les poubelles, il trouve celui qu'elle a négligemment jeté la veille. Oh. Ah mais oui, elle est trop con, elle a jeté le test de grossesse. Putain, mais quelle bouffonne. T'es vraiment enceinte ? Mais comment t'as pu me faire ça ? Ça y est, dis-moi. Rebelle-toi. Tu représentes plus rien pour moi, tu m'écœures. Non, on n'y croit plus à tes larmes de crocodile, là. De minute en minute, je sentais la rage qui montait en moi. Oula, doucement, Eric. Je me fais pas un homicide, quand même. Je devais savoir avec qui elle m'avait trompé. Oh, putain. Encore une fois, Morgane est dans les parages. Non, mais elle, vraiment. C'est pas vrai, tu mens. Oh, le niveau de folie. Elle est séparée, elle le suit partout, elle l'appelle chérie encore. Je te jure, je suis d'accord pour te faire un enfant. Mais t'es une psychopathe, Morgane. Mais oui, oui, oui. Je te déteste. Oh. Ouf. Mais à part, par contre, il a totalement raison, c'est une psychopathe. Marc a oublié son téléphone portable.
et envoie un SMS sans équivoque. Morgane devenait complète. Oh putain, le bébé, c'est moi le père. Ta femme est enceinte, mais pas de toi. C'est moi le père. Non, mais elle envoie des dingueries. Ah, t'es là, toi. Oh, tu m'envoies un texto pour m'annoncer que t'as mis un femme au cloque. Cool, cool. Là, Eric, tu dois rentrer comme ça. Ça doit rentrer dans l'arcade. Là, c'est toi qui as baissé ma femme. Tu rentres comme ça, là. Excuse-moi. Patoche, c'est pour la science, c'est pour la démonstration. Là, y a pas de discussion, là, frérot. Y a pas de discussion. Marie et moi, on s'aime. Tais-toi, Marc. Arrêtez. Marie sent bien que les choses vont tourner très mal. Allez, je veux plus me voir. Dégage. Elle a pris la Mini Cooper, quand même. Arrêtez d'avoir lutte pour ma vie, toi. Elle devait être la mère de mes enfants, tiens. Quoi? En démarrant en trombe, Marie n'a pas vu la voiture arriver en face d'elle. Inconsciente, la jeune femme est transportée à l'hôpital quelques minutes plus tard. Mais quoi? Marie perd son bébé et reste plusieurs jours dans le coma. Aujourd'hui, Marie est totalement rétablie, elle a tout perdu et vit désormais seule à Paris. Marc a enfin réussi à se débarrasser de Morgane. Non, bah super, il a tenté de reprendre contact avec Marie, mais elle n'a pas souhaité le revoir. Bah oui, elle voulait juste foudroyer un coup. Oh, l'histoire de Zinzin, l'équipe. Alors, vous imaginez, coma, elle est sortie de sa place de parking, coma, avortement de l'enfant. Alors, c'est trop.